Il n'y a pas de hasard. Dieu a fait que je me retrouve chez moi, ici à Abri. Que les enfants du collège moderne vous adressent. À quoi à Linga, ça dit bonne arrivée. Likambote. Likambote. Eh, Nana Kofi Gessini, Nana Kanakwain. Nous avons fait maman. Nana Kofi et Nana Kanakwain, venez partager ce moment de joie, de festivité avec nous. Kofi Olomide était le mercredi 26 avril 2023 à Abli, village du département de Toumodi où les populations ont décidé de l'honorer pour tout ce qu'il a apporté à l'Afrique. Le grand Moparo est désormais un fils d'Abli. Il a été baptisé par les grandes familles Kofi Wia Moye d'Abli. Mais ce jour, 26 avril 2023, est un jour inoubliable pour moi. Je remercie les autorités qui m'ont intronisé, qui m'ont honoré. Comme jamais ça n'a été le cas. Je me souviens du jour où j'étais le premier Africain à avoir gagné dans la même soirée Kakora. C'était un jour faste. Ce jour égale peut-être celui-là. Je me demande comment je veux faire pour vous rendre l'ascenseur. Je suis fier et je ferai tout. Partout j'irai pour que vous soyez fiers de votre frère. Du fond du cœur, au nom de tout ce que j'ai de plus cher, je vous dis merci. C'est un jour béni. Comme l'a dit quelqu'un ici aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Dieu a fait que je me retrouve chez moi. Et vous allez voir que dans les mois, peut-être l'année qui va suivre, que je ferai en sorte que vous m'identifiez réellement ici à Abli. J'étais venu comme un citoyen normal, je repars au roi. Merci beaucoup pour moi. Merci, vive Abli, que vous soyez bénis. Cette présence du Quadra Kouraman a été saluée par les fils et filles d'Abli. C'est une bénédiction d'avoir quelqu'un de la trempe de Kofi Olomide se faire accepter comme fils du village d'Abli. Mais en même temps, comme l'avons dit, ce n'est pas un hasard. Parce que Abli, c'est le village des grands. Je pense que très prochainement, dans l'une de ses chansons, le nom, vous allez entendre le nom Abli. Et donc, ça va permettre à Abli de voyager très loin. C'est un sentiment heureux qui nous anime de savoir que notre village a été aujourd'hui la capitale mondiale de la rumba pendant quelques heures. Et ça, ça marque toute l'histoire du village, du pays. Également, nous sommes heureux parce que cette visite ici montre un peu le sens de l'accueil et de l'hospitalité qui incarne et qui gouverne la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les régions de la Côte d'Ivoire, nous avons ce sens de l'accueil, de l'hospitalité, du partage. Et aujourd'hui, vous venez d'avoir la preuve de cette marque déposée du peuple ivoirien à travers les Baoulés. Ben, écoutez, il était question aujourd'hui de se concentrer sur son accueil, sa reconnaissance en qualité de fils du village. Et à partir de là, comme vous l'avez entendu, venant de lui-même, de belles choses sont à venir dans les prochains mois qui viennent. Voilà, donc on va essayer ensemble de porter ces projets-là dans l'intérêt de la culture ivoirienne en général et en particulier dans l'intérêt de la tradition et de la coutume de Toumodi et de Abli et toute sa région. Le nouvel enfant d'Abli s'est réjoui avec ses frères et sœurs lors de cette rencontre.